des clochers du Sicoval. Et voilà. Allez, super, Yannick Lalanne. Ouais, le président Forux. Ça fait des années qu'on court ensemble. Il court beaucoup plus vite que moi, gars. Quoique. Ils sont là. Laurence, Joël et Pierre. Pierre, viens voir, viens me voir. Une super remontée, dis-moi. C'était loin derrière. Non, mais ça, c'était le parcours m'allait bien, donc je me suis régalé. Je suis tombé, mais bon. La course, c'est quand la tienne? Le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est où? Le Trail du Touche à Saint-André, voilà. À côté d'Aurignac. À côté d'Aurignac. Le dernier. Et vous n'êtes pas sympa, les types, vous avez l'air malin. Bravo, les nanas. Bravo, super. Super, génial, génial. Génial. Très beau. Super, magnifique. Et puis moi j'aime la boue, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on l'appelle Mimi Cracra, je crois, hein, c'est ça? Voilà, Mimi Cracra, donc elle le démontre. Et donc, arriver à suivre Didier Cambrubi, qui est un excellent coureur. Et c'est l'équipe 128 qui en termine avec les trois bitumeurs basiégeois. Tard qui termine, ils étaient deux, hein. Ils ont fait à deux, Laurent a fait le premier. L'équipe classée deuxième mixte, l'équipe 141, donc voilà la troisième équipe mixte avec le dossard 136, Rosine. Allez, Taco, bravo Taco. Voilà l'équipe, les cloche-pieds, voilà, ils en terminent. Cloche-pieds, Christian Aspe, Laurence Pavie, Jean-Pierre Trosselier. Et ici, juste derrière les autres, l'équipe 131. Oui, allez, 113, ils en terminent. Allez, voilà. 142. Et 133. 133, ça c'est les équipes. Il y en a, il a la bouteille à la main, il faut pas boire beaucoup. Pas autant. Là, ils sont là, les regroupés. Ils sont regroupés, hein. C'est une équipe de dernier. Et voilà. Et là, allez, les filles, Yolande Condé, Hélène Nassel.